Bon ben l'essaim s'est envolé. J'ai terminé ce que je devais faire avec l'autre essaim. J'ai récupéré le bloc. J'ai refermé. Et là je me doutais que l'essaim n'était pas parti très loin. Donc j'ai vu des abeilles qui volaient au-dessus de moi. Et j'ai vu que l'essaim il est là. Il est dans l'arbre là. Donc bien sûr maintenant faut que j'aille le chercher. C'est des branches flexibles, donc je devrais pouvoir m'en sortir, peut-être les accrocher avec la perche. Je vais essayer, je vais voir ce que j'arrive à faire. Je veux le récupérer, c'était ça. Allez, une pause. Voilà, j'ai trouvé une échelle qui fait juste la hauteur. J'ai plus qu'à monter là-haut, trouver un petit carton et transférer le paquet d'abeilles, qui est un vrai essaim. J'ai fabriqué un petit carton. Là, j'ai un petit bout de carton. Elle est là-haut, ça devrait aller. Tiens, il y a plein d'abeilles partout. Je serai pas au milieu d'un essaim. Je vais couper la branche et la mettre dans le carton. Ce serait bien de retrouver la reine, ce serait rassurant. Voilà, j'ai cassé la branche et je la mets sur le carton. J'ai peut-être intérêt à laisser le carton quelques minutes pour que les abeilles se regroupent. Là, j'ai vraiment eu de la chance de retrouver l'essaim parce qu'il est tout petit et il était en haut d'un arbre. J'ai bien vu là. Thank you.
Bon, il n'y a plus tellement d'abeilles qui volent. Je pense que je peux descendre. Voilà, le carton est calé sur l'échelle. Je pense que j'ai peut-être intérêt de les enfermer parce qu'elles ont l'air de vouloir un petit peu s'envoler. Je vais chercher un bloc, une grille à rennes, si j'en trouve, et je vais les enfermer. Allez, petite pause.